Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi une journée dans ma vie de maman. J'espère que la vidéo va te plaire. Dès que je me lève après avoir fait ma petite prière, je me dirige directement à la cuisine pour apprêter le goûter des enfants. J'ai sorti les beignets, gâteaux et beignets soufflés du frigo pour réchauffer dans le air fryer. Je ne sais pas si vous connaissez ce gros beignet qui coûte 100 francs. À l'époque, on appelait ça va se savoir. C'était tellement bon que quand tu mangeais ça à 50 à l'époque, c'était suffisant pour toute la journée. Les anciennes, n'hésitez pas à me dire un mot en commentaire. Après avoir mis les beignets dans le air fryer, je me suis mise à charger l'eau des enfants. Il n'y avait pas assez d'eau filtrable, du coup, elles vont à l'école avec l'eau minérale de bébé. Quand je n'ai pas l'eau traitée, je leur donne l'eau minérale. Au moins, je suis sûre, ça m'évite les problèmes. Je leur donne pas l'eau qui quitte directement du robinet, pas du tout. Et aussi, j'enlève ce que bébé va utiliser parce que tout le temps ouvrir le gros bidon de 10 litres pour faire son lait, c'est fatigant. Et je viens dans le air fryer retourner les beignets pour que ça chauffe bien. Je coupe l'avocat qui est prévu pour leur goûter. L'avocat, là, ils ont mangé à la fois le matin en prenant leur lait et aussi j'ai mis dans leur bol pour aller à l'école. Mais elles m'ont dit que elles ne veulent plus partir à l'école avec l'avocat. Je comprends pas pourquoi. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Est-ce que je vais leur imposer quelque chose qu'elles vont arriver à l'école et ne vont pas manger? Elles m'ont raconté que chaque fois qu'elles vont à l'école avec l'avocat, à l'heure où on mange à 11h30 là, l'avocat là est déjà un peu mou. Aïe! Bref, c'est mort pour l'avocat à l'école maintenant. C'était la dernière fois. La prochaine fois, elle mange ça le matin comme petit déjeuner. Je leur ai fait aussi l'œuf bouilli pour que leur goûter soit beignet, avocat, œuf bouilli. Et ce air fryer qui me facilite tellement la vie. Sachez qu'on peut aussi faire les œufs dans le air fryer. Dans la vidéo où je vous présente mon air fryer, je vous ai montré comment faire les œufs à l'intérieur. Mais pour gagner en temps, pendant que je chauffe les beignets dans le air fryer, je fais bouillir les œufs au gaz. Après avoir enlevé les œufs, je mets directement dans l'eau froide pour pouvoir bien casser facilement. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions sur ma personne, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je vais vous répondre. Excusez-moi, je suis grippée. C'est pas encore fini. Ma part de grippe, je ne sais même pas. Ce sont les enfants qui m'ont contaminée. Elles sont parties prendre ça à l'école, venir me donner. Pour elles, c'est fini. Ma part continue. Bref. Là, je prends les grands bols pour mettre leur goûter. Chaque bol est adapté au type de goûter que je leur fais. Ces bols-ci, je les ai pris au marché Mendon, 2 à 1000 francs. C'est ma copine qui m'a encouragée. Elle a fait le constat que les bols du Tanamol sont même trop chers. Et je corrobore. Parce que j'ai pris 3 minuscules bols au Tanamol à 1700. Alors que ceci, c'est 5500. À côté là, vous voyez le goûter de bébé. Chaque fois que je fais pour ses soeurs, je fais pour elle. Je ne sais même pas si je vais appeler ça goûter. En tout cas, je laisse aussi pour elle.
moi-même, je goûte avocat beurre bien épais. Je suis sûre que l'avocat s'y sort de Bouddha. Et voilà, le goûter des enfants terminé. Et moi, je sors. Je pars rejoindre ma copine pour qu'on parte au marché. Parce que je n'avais pas fait le marché le week-end. Et sur le chemin, on s'arrête à une station Total pour prendre le cappuccino. Sauf que le cappuccino n'est plus disponible. On a pu avoir un truc qu'ils ont appelé mocassino avec les crémosos. Ça ressemble au cappuccino, mais ce n'est pas vraiment notre cappuccino qu'on avait à la station Total là. Ce n'est pas vraiment ça. Le cappuccino est fini dans les stations ou quoi? Ce jour, nous avons commencé notre balade par Carrefour parce qu'elle voulait une cocotte minute et je lui ai dit faisons un tour là-bas pour voir ce qu'ils offrent parce qu'on est sûr quand même que c'est la qualité. Et à notre grande surprise, arrivé à Carrefour, il y avait les cocottes minute dans son budget. Je ne savais pas qu'il devait avoir des cocottes minute de moins de 50 000 là-bas. Elle voulait une cocotte minute comme la mienne. C'était un cadeau, mais la personne nous avait donné de l'argent en espèces pour aller acheter, dont j'avais acheté à 50 000 francs. Heureusement, il y a eu des cocottes minute à Carrefour à 35 900 francs, la même grosseur que la mienne. Et comme elle avait prévu 50 000 pour sa cocotte minute, du coup, elle a pris le grand modèle à 55 900 francs. Et elle était trop contente. C'est vraiment trop pratique pour les mamans qui travaillent et qui rentrent tard. Tu rentres tard, tu mets ta viande dans ta cocotte minute, ça cuit en 15 minutes. Tu veux faire tes pommes pilées avec le haricot, ça cuit en 20 minutes. Je vous montre la boîte près de Carrefour qui est à 1200, mais là c'est passé à 2000. Chaque fois que je vais acheter, je prends et je laisse. Je me dis, mais pourquoi ça passe de 1200 à 2000? Mais pourquoi? Et depuis là, je n'ai pas de boîte spray. Après, nous sommes allés à la caisse. J'ai fait quelques achats de repas. Nous sommes assises, nous avons mangé. Puis nous avons couru au marché. Et là, je vous reprends déjà de retour à la maison. Dès que je suis rentrée, j'ai fait vite, vite, vite laver la viande, éplucher le planteur, allumer mon four à charbon. Là, je fais le condrel. On m'a offert la viande de chèvre. Et je me suis dit, j'achète un peu la viande de bœuf pour ajouter. Parce que le condrel viande de chèvre n'a pas un très très bon goût comme avec la viande de bœuf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait la différence entre le condrel viande de chèvre et le condrel viande de bœuf. Qu'est-ce qui est plus bon? Donc pendant que mon repas était au feu, je me suis mise à arranger tout ce que j'ai acheté. Carottes, tomates, condiments, tout. Et en même temps, je découpais ce qui devait me servir pour faire le condré. Parce que le condré, on met la viande au feu avec le plantain. Et là, c'est quand c'est le plantain mou. Parce qu'il y a certains plantains qu'on met au feu longtemps même avant de mettre la viande. Et c'est quand le plantain cuit là qu'on met tous les épices. Ce jour, je n'ai pas filmé toutes les étapes. Parce que j'étais en train de vous faire un vlog, une journée dans ma vie de maman. Si je faisais juste les étapes de la cuisine, la vidéo devait être très longue. Si Dieu le veut bien, une prochaine fois, je vais vous faire la vidéo de recette de congrès. Pendant que le repas était dans le feu, j'ai nettoyé tout ce que j'ai acheté comme condiments, j'ai rangé au frigo. Et tout ce que j'ai acheté qui ne se range pas au frigo, j'ai classé à la maison. Je vous montre le moulinex sur lequel nous avons investi. C'est un moulinex de 600 watts. On espère que celui-ci va tenir. Et étant dans un quartier où il y a très peu de baisse de tension, on espère que celui-ci va nous faire même 4 ans. J'ai acheté les mandarines et les oranges pour le goûter de l'école des enfants. Parce que comme je vous ai dit, le week-end, je n'ai pas fait le marché et je me devais de rattraper tout ça
le lundi. Là, ce sont les oranges de 400 et les mandarines de 500. Une orange à 100 francs. Maintenant, même les petits, là, c'est une à 100 francs. Il n'y a plus les oranges de 75, 3 à 200, c'est fini. J'ai aussi acheté le gombo pour faire la sauce gombo en semaine. Et là, vous voyez que mon congrès est déjà prêt. Je n'ai pas pu vous partager plus que ça. Je vous reprends donc quelques heures après au salon. Nous avions terminé de percer les trous pour accrocher les tableaux que je vous avais montrés dernièrement. Nous avons utilisé cette perceuse-ci. Il est possible de louer des perceuses pour faire ces trous à la maison. Et ces trous dans le mur là sont des trous que vous pouvez faire vraiment propre. C'est-à-dire vous percez, vous mettez la cheville et vous mettez une vis. Vous voyez comment c'est bien propre. Et quand vous mettez la peinture, le mur n'est pas détruit. Ce n'est pas comme si vous avez sali le mur et détruit le mur. La cheville et la vis, c'est mieux pour faire les trous sur le mur parce que c'est beaucoup plus propre, c'est plus esthétique. Quand vous enlevez la vis, vous pouvez mettre la peinture sur la cheville et ça se voit juste comme un petit point sur le mur. Donc voilà le résultat des tableaux. Sur le mur jaune là, je trouve que la couleur ne ressort pas beaucoup, mais bon, on fait avec. On revient à la cuisine parce que ce jour, j'ai réorganisé la cuisine, j'ai réorganisé mon étagère, j'ai enlevé certaines choses là-bas que j'ai gardées en haut de ma penderie pour que la cuisine soit un peu plus aérée. Et je pense que comme ça, c'est mieux. Je vous montre mon set d'ustensiles envoyé par l'une d'entre vous à qui je dis merci encore. Ce sont des ustensiles en silicone que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé d'acheter, mais je n'arrivais pas à acheter parce que le budget était élevé. Je n'arrivais pas à dégager un peu d'argent pour pouvoir m'offrir cela. Mais en attendant, j'avais acheté le set en bois pour ne plus utiliser les autres qui gardent la mamie là, ça fait les bruits quand tu grilles les arachides. Avec ceci, je suis vraiment très contente. Ça me fait un set d'ustensiles en silicone et mon set d'ustensiles en bois et je suis vraiment OK. C'est très complet. Il y a tellement de choses à l'intérieur que vraiment, 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 je lui dis merci. Et j'ai même de quoi assaisonner le poisson quand je veux briser, vous voyez. Donc tout ça est vraiment pratique. Mon set d'ustensiles en silicone et mon set d'ustensiles en bois, je suis vraiment, vraiment OK. Je suis OK. Quand je vais maintenant griller les arachides de chez moi, le voisin ne va pas comprendre. Le crou, 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 crou que je faisais dans la mamie là, c'est fini. Oh, je suis trop contente. Comme nous étions le soir, j'ai apprêté les gourdes d'eau des enfants. Ce sont des choses que quand je peux, je fais le soir ou ma fille m'aide. Mais quand je ne peux pas vraiment, je le fais le matin. Vous voyez mon bébé, elle est toujours en train de prendre le balai pour balayer comme moi. Parfois, elle prend le chiffon microfibre, elle nettoie, elle ramasse des choses, elle pas jeter dans la poubelle. Genre, elle se fâche même. Qui a jeté la saleté ici? Elle ramasse, elle pas mettre dans la poubelle. Si elle pouvait parler, je suis sûre que c'est ce qu'elle dirait.
Vous voyez là sur le frigo mon bac transparent dans lequel je mets les ustensiles de bébé. Je continue avec ça, vraiment, je trouve que c'est très pratique. Le soir, les pains sont arrivés, les croissants et les beignets pour le petit déjeuner des enfants. J'ai tout mis ça là-bas au frigo. Quand je mets les pains au frigo, moi ça ne me dérange pas parce que le lendemain, soit je réchauffe au air frais, soit je réchauffe dans la poêle. Des choses que tu n'avais pas planifiées, quand on te gâte ça le soir comme ça, tu es trop contente. Tu es trop contente parce que ça va te faciliter le matin. Si tu avais prévu faire frire les pommes ou le plantain, le matin là, tu trouves seulement quelque chose que tu vas compléter à ces croissants et beignets là et tu es OK. Là, je prends mes vitamines parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les mamans d'être partout, de courir partout. Ce calcium, magnésium m'aide beaucoup. Mais je le redis, pour toute maman qui se sent fatiguée, qui se sent un peu faible et qui pense avoir besoin de vitamines, c'est toujours mieux de se faire conseiller par un médecin qui va vous écouter et qui va être sûr qu'en fait, ce sont les vitamines qu'il vous faut. Parce que parfois même on est fatigué et que c'est l'anémie ou bien autre chose. Donc c'est toujours bien de demander l'avis d'un médecin. Après avoir mis les filles au lit, j'ai essayé de mettre la toute petite au lit fatiguée au point où je l'ai laissée. Moi-même, je l'ai déposée. Je l'ai déposée avec sa gigoteuse sans toutefois savoir qu'elle devait pouvoir marcher avec. Mais cette enfant, mettez la main dans le sac, elle va marcher. Elle est sortie de la chambre, elle m'a retrouvée au salon. Et regardez, pendant que je suis concentrée en train de regarder mon sweat là, elle porte le verre de bière qui était sur la table. Et je n'ai même pas remarqué. Heureusement qu'elle n'a pas cassé. Elle se dirige vers moi. C'est quand elle arrive à côté de moi que je constate que l'enfant a le verre. J'aurais pu comprendre seulement clax au sol. Dieu merci, elle a bien porté jusqu'à venir me donner. Et je lui demande, tu as pris où? Elle me montre la table. J'étais vraiment surprise de l'avoir atterri à côté de moi avec ça. En plus qu'elle était dans son sac. Et moi, concentrée sur le film, je ne l'ai pas entendue. Les mamans imparfaites, là, nous voici. On regarde le film jusqu'à ce qu'on oublie même qu'il y a l'enfant à côté. Je l'ai portée, j'ai tout fait pour qu'elle dorme. Elle a dit que je dors à mon heure. Cet temps-ci, son sommeil est vraiment terrible. Et c'est comme ça qu'elle préfère dormir en journée. Pendant qu'elle dort en journée, tu es là, tu es contente, tu fais tes travaux, après tu visionnes, après tu dors toi-même. Mais le retour de ça, c'est la nuit. Le retour, c'est la nuit. Elle me fait dormir tard, alors que je dois me lever à 4h30 pour apprêter les choses de ses soeurs. Finalement, quand elle a dormi, Dieu merci, j'ai débarrassé le salon, j'ai tout rangé avant d'aller me coucher. J'aime vraiment aller me coucher avec un salon propre. Quand tu te lèves avec un salon propre, débarrassé, balayé, tout ce qui est sale, assiette et tout, je mets dans une bassine et je mets ça à la cuisine. C'est vraiment très top. C'est très apaisant de se réveiller avec un salon propre. Et avant de dormir, je tire les rideaux, hein. Je tire les rideaux de la fenêtre, là, je les ferme. Je ne laisse pas les rideaux transparents comme ça, pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a marqué. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!